Bonjour à tous. Vous savez bien entendu que la vie a besoin de gagner beaucoup plus en perspectives nouvelles et c'est en cela qu'on peut insuffler de nouvelles choses à notre vie et lui donner bien sûr un goût. Le goût du jour et le goût du neuf. Le goût bien sûr pour briser donc la monotonie. Et aujourd'hui, bien entendu, dans le cadre de rectificatif, nous avons une grosse pointure et une personne qui est une icône, qui a fait montre de son talent, bien sûr dans la communication. Mais je vous le dis déjà, présenter certaines personnes, c'est comme toucher une parcelle de légende. On est tant bien que mal avec les mots qu'on peut avoir pour présenter une personne comme MC Claveur. Bonjour à vous, papa. Que Dieu te bénisse, Ghislain Blessing. Vraiment, je suis très honoré et en même temps tout béni TV de vous avoir sur notre plateau de Midi d'Afrique, histoire d'échanger avec vous, de discuter avec vous. C'était vraiment un honneur. Mais c'est un honneur aussi pour moi que d'être reçu sur cette chaîne qui fait énormément de bien à toute l'Afrique, à ceux qui en tout cas réussissent à les capter, surtout au Burkina Faso. Vous avez beaucoup d'adeptes et de fans, et je profite alors de votre antenne pour saluer eh bien tous ceux qui nous regardent. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Et fort heureusement, Béni TV a un potentiel de, j'allais même dire, de direction commerciale et puis marketing qui a dû mettre la main sur notre cher père, MC Claveur. Vous pouvez dire Bishop. Le MC, ça n'a rien à voir avec le Master Ceremony ou ce que vous pensez, mais c'est simplement le ministre du Christ Claveur. Ça devient toujours MC Claveur. Pourquoi ces jeux de mots et ça ressemble et ça vous va? Ben, c'est la grâce de Dieu. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne voulais pas tellement ôter, comment dirais-je, ce nom, parce que c'est là que Jésus m'a vu et c'est au milieu du rap qu'il m'a pris. C'est vrai que je n'ai pas demandé grand-chose et l'Esprit m'a dit, tu vas me servir. Bon, tu vas me servir. Et il faut que j'apporte quelque chose. Et qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Mais je t'envoie vers la jeunesse. Je t'envoie vers ces rappeurs. Et j'ai un ministère vraiment qui est très basé sur la jeunesse. J'arrive à leur parler. J'ai amené beaucoup de jeunes au Seigneur. Et appelez-moi MC. Mais MC Claveur, ce n'est plus le maître de cérémonie, mais c'est devenu maintenant le ministre du Christ Claveur. Et c'est comme ça que j'allais évangéliser en me présentant sous ce pseudonyme. Au Burkina Faso, ceux qui n'ont pas connu, bien entendu, sur le vocable MC Claveur, eux, là-bas, on l'appelle Bishop Claveur Ouédraogo, pardon, Yamiogo. Yamiogo. Qu'est-ce que j'ai à écorcher votre nom? Parce que Voilà, ça devient Ouédraogo, une c'est autre un peu. personne. Voilà, donc Claveur Yamiogo. Et vous le savez, c'est avec les mots MOTS qu'on peut guérir nos différents mots, MAUX. Autant dit que la parole peut guérir les mœurs. On va parler justement tout à l'heure d'un sujet très important, le christianisme et la mode. Ce sera justement dans le cadre de rectificatif. À tout de suite. De retour sur notre plateau avec, bien sûr, je le disais, notre icône, un homme de Dieu, Bishop aujourd'hui, MC Claveur, vous pouvez dire également, Yamiogo, nous sommes avec vous pour parler, bien sûr, du christianisme et la mode. On a choisi ce thème parce que nous savons d'où est-ce que Christ vous a tiré, aujourd'hui, le rappeur, aujourd'hui, l'homme du micro, aujourd'hui, l'homme du style, donc de la mode. Et aujourd'hui, vous êtes chrétien. Le rapport, nous voulons voir, est-ce que, bien entendu, selon vous, ça marche? Ces deux éléments qui peuvent aller ensemble. Oui, la mode va avec le christianisme, mais Jésus lui-même était habillé de lin sans couture, il était stylé. Quand il marchait, les gens voyaient la grâce en lui. Donc la mode, c'est vrai qu'à l'envers, quand tu le mets, ça fait démon. Donc beaucoup de gens peuvent, s'ils ne font pas attention, basculer. Parce que la mode est utilisée par l'ennemi invisible, le diable, pour pervertir la jeunesse. Est-ce que tu vois? Donc, D'accord. cette mode amène donc les femmes à se dénuder, à porter des mini-jupes, à laisser le ventre, le dos dehors. Et puis, ça invite des esprits à se manifester et on tombe directement donc dans le viol, dans la violence, dans l'immoralité. Alors, c'est pas bon. Mais un chrétien peut-il suivre la mode? Oui, il peut suivre la mode, mais pas n'importe quelle mode. Le D'accord. chrétien peut se faire sa mode. Et comment? Et comment? Ben, c'est-à-dire en imposant un style d'habillement qui serait tendance, fashion, mais en même temps pudique. Donc on peut aller vers cela. Maintenant, les jeunes aujourd'hui ne veulent pas. Ils trouvent que les anciens, bon, ils sont un peu ringards, ils sont un peu vieux jeu. Mais il faudrait que spirituellement, nous puissions amener nos enfants à aimer, c'est-à-dire le Seigneur,
tout en ne perdant pas leur identité. C'est-à-dire, ils aiment un style de musique. Ils aiment aujourd'hui le rap, par exemple. Ils aiment le coupé décalé. Ils aiment l'autre tendance, le zouglou et tout. Bon, comment accepter ça dans l'église? Les gens diront, non, on ne veut pas ce genre de musique ici. Ça vient du diable, ça vient du truc. Non. Mais je trouve que c'est jeter, c'est-à-dire toute une jeunesse en pâture au diable que de ne pas les accepter. Donc on peut, véritablement, si on sanctifie ces éléments-là, faire quelque chose de positif pour que la jeunesse se sente à l'aise à l'église. Il faut que quand on arrive, si vous allez dans une église jeune et qu'on commence à louer le Seigneur, mais sur un beat hip-hop, les jeunes se retrouveront. C'est sûr que les vieux vont dire, bon, je n'arrive pas à louer Jésus avec un beat hip-hop, mais les jeunes, eux, ils sauront comment le louer, comment danser. D'accord. Vous le savez, et le Christ sera content. À vous entendre, justement, on a l'impression tout de suite que c'est une... Vous parlez surtout d'un aspect de succession et donc de génération, où chaque génération a son style et donc son mode de vie. Tout à fait. Souvenez-vous, dans la Bible, il est écrit que quand ils ont rebâti le temple, les jeunes sont venus louer le Seigneur. Les vieux se sont mis à pleurer dans Esdras, mais la Bible dit que le bruit, les chants des jeunes, leur style était tellement fort que ça couvrait les pleurs des vieux. Donc une génération était en train de prendre le contrôle par rapport à une autre génération. Donc on ne peut pas imposer, nous, notre style à nous. Dans 20 ans, 30 ans, nous ne pourrons pas dire aux jeunes, bon, nous, c'était le rap à notre époque, alors que les jeunes viennent avec leur style et on va leur imposer, nous, notre style, sinon ça ne va pas. Il faut seulement qu'ils puissent adapter leur style à la spiritualité. C'est-à-dire il faut le faire de manière sainte, sanctifiée. Voilà. Quand on écrit des textes de rap, on n'a pas besoin d'être grossier, on n'a pas besoin d'être injurieux. On peut faire passer un message tout en étant respectueux. On peut faire passer un message tout en parlant de Christ. Et aujourd'hui, vous voyez certains clips que vous passez même sur votre chaîne, où ces jeunes rappeurs ou chanteurs de R&B français, nous emporte, nous transporte. Ça ne vous cause pas de problème, vous? C'est votre univers? Non, ça ne me cause pas de problème. Mais quelqu'un pourrait dire là-bas que ne vous conformez pas au siècle présent. Comment est-ce que vous entendez cela en rapport avec le sujet? Soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Mais soyez transformé. Donc, ne pas se conformer au siècle présent, c'est ne pas faire ce que le diable incite à faire. Ce qui est important, à mon avis, c'est de bien comprendre le verset. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Donc, il ne faut pas qu'on ressemble, il ne faut pas qu'on copie ce que les gens du monde font. Mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc, afin que nous discernions ce qui est agréable, bon et parfait. Donc, écoutez, il y a des gens qui peuvent venir, je regarde, je vois que ça, ce n'est pas bon pour Dieu. Alors, je ne le fais pas, je renouvelle mon intelligence. Cependant, ça, c'est pas mal, ça passe. Alors, je l'utilise et je glorifie mon Dieu avec. Donc, à partir de ce moment, je ne pêche pas contre Dieu et je ne deviens pas une pierre d'achoppement pour autrui. Donc, je pense qu'il est très important de faire attention parce que le monde évolue avec son temps. Écoutez, aujourd'hui, regardez comment on fait les programmes. Partout, maintenant, c'est la télévision, c'est les satellites, c'est les pancartes, c'est... On utilise tous les moyens de communication possibles pour faire passer le message. Internet et tout. Donc, rien ne doit être laissé au hasard pour que le message de Christ puisse atteindre tous les foyers ou toutes les âmes. Nous devons le faire. D'accord, c'est une rubrique qui, justement, va à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent dans le but d'éclairer, justement, leur antenne. Mais en même temps, on va vous poser une question qui vous est singulièrement adressée. Si vous, en tant que Bishop Claver Yamiogo, vous étiez invité, bien sûr, à un programme de, nous, on va dire, R&B, donc de hip-hop aussi, H.I.P., H.O.P., voilà, et vous étiez parrain, vous irez quand même pour donner un coup de pouce à ces jeunes-là? Aujourd'hui, je réfléchis différemment. C'est-à-dire, si je me déplace dans un endroit, c'est que j'ai un message à apporter. Amen. Si c'est pour juste venir regarder, alors ce n'est pas la peine. Et je vais partout où je sais que Christ pourrait être prêché, où je pourrais être entendu. Une fois, beaucoup d'hommes de Dieu ont critiqué ma démarche à Ouaga parce qu'on avait organisé une prière écuménique pour la Côte d'Ivoire. Et donc, et les gens disent, non, nous sommes évangélistes, on ne peut pas se mélanger avec les autres religions. J'ai dit, non, vous me prenez comme parrain, mais voici ma condition. Moi, je veux prêcher
et en dernier. Et ce jour-là, j'ai prêché en dernier. Et j'ai prêché Jésus. Et j'ai demandé aux gens d'accepter Jésus. Et toute la salle, ceux qui ont voulu, ont confessé Jésus. Mon but a été atteint. C'est clair. C'était de prêcher Jésus et d'amener quelques âmes que Jésus voulait sauver dans la salle. Vous m'invitez au hip-hop, je viendrai. Et je viendrai et je vous donnerai mon message. Que Jésus-Christ est venu sur la terre. Qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous justifier. Et je pourrais même te le dire en rap. D'accord. Et justement, nous, on est déjà là, on va avoir donc l'exclusivité. Non, mais bon, ça m'arrive. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un, je vais dans l'improvisation. D'accord, hein? Oui. Ghislain, je ne prendrai pas mes mains. Donc, je vais pour faire un beat quelque tout de part. Suite. Je vais faire un beat tout de suite et puis... Mais ouais, mais vas-y, vas-y, comment tu ferais ton... Mais il est fort, hein, et puis il est bon, hein, c'est formidable. Alors, ça ferait comme ça, ça va, c'est 1-2-1-2, ça c'est pour Jésus-Christ et pour tous ceux qui nous écoutent ici à Béni TV. Créature de rêve, ange de mes nuits, c'est ma femme, elle s'appelle Flora et mon cœur faiblit. Merci. C'est Christ qui me l'a donné et j'en suis ébloui. Waouh, je crois que tout le studio des mains applaudit, voilà. Ça, c'est une petite dédicace pour celle que j'aime. Ouais, hein, franchement, on a vieilli, on a l'esprit hip-hop, on était dedans. Tu vois, dedans. C'est tout ça, c'était MC Claveur qui nous inspirait. Et après, on apprend que les grands frères sont devenus maintenant des bishops. On a dit, waouh, il faut s'y ressaisir. Donc, écoutez, tu sais, la vie, Dieu aussi aime les rappeurs. Et puis, je pense que c'est pourquoi il est venu. Il est mort à la croix et il nous a sauvés. Et il y a aussi justement cette dernière question qu'on pourrait poser, les parures, tout de suite, on voit, hein, à vous voir tout à l'heure, hein, ouais. On voit qu'on a des chevalières, on a des montres en or, on a tout ce qui est, les gens vont dire bling bling. Mm-hmm. Vous, comment est-ce que vous vous sentez avec ces choses-là? Mm. Pour vous, c'est pour montrer la gloire de Dieu, ou pour vous, c'est... Tu as répondu, écoutez, à l'époque, les gens servaient dans le temple avec des ustensiles en or. Dieu a détruit le temple. Il a fait de mon corps son temple. En or. Je le sers. Je le sers avec les ustensiles. C'est le temple. C'est Dieu. Waouh. Donc, respecte le temple de Dieu. C'est clair. C'est Dieu qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Si dans ce temple, tout était beau, quand tu rentrais dans le temple, c'était la gloire de Dieu, tout était beau. Et on servait avec les ustensiles en or. Maintenant, je suis le temple de Dieu. Un temple ne doit pas se négliger. Amen. Un temple doit se respecter, marcher dans la sanctification. Un temple ne doit pas faire rentrer n'importe quoi en soi. Tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas te droguer, boire de l'alcool. Tu ne dois pas vivre dans la fornication. L'adultère, l'impudicité, tu dois être dans la sanctification parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Christianisme et mode, nous pensons avoir bien sûr traité avec vous, ça ne sera pas de fond en comble. On a essayé quand même, c'était une tentative et nous vous disons déjà merci, eh bien, seulement en vous demandant votre dernier mot avant de quitter notre plateau. Voilà, je voudrais dire qu'il faut faire très attention aux jeunes, hein, par rapport à la mode et de ne pas suivre la mode bêtement. Parce que ça peut les induire en erreur. Juste pour terminer une petite anecdote, vous savez pourquoi les rappeurs portent les pantalons taille basse et puis ils laissent tomber les fesses sur les choses? Beaucoup de gens pensent que non, c'était un style pour dire qu'ils étaient homosexuels dans la prison. Non, pas du tout. Les gros pantalons, les baggy, je vais vous donner l'origine exacte. C'était que quand écoutez il y avait beaucoup de noirs qui sont en prison, les matons blancs ne faisaient pas la différence quand ils donnaient les tenues aux prisonniers. Donc on vous alignait et on te donnait. Donc, si toi, tu portais du 40 et qu'on te donnait un 48, il n'y avait pas de problème, tu devais le mettre. Maintenant, pour se rebeller à ce style de faire, à cette manière de faire, les prisonniers refusaient de mettre des ceintures et d'attacher. Donc, ils laissaient tomber leurs pantalons et ils attrapaient ça par le bas et ils marchaient en laissant traîner. Puisque tu m'as donné un pantalon gros, je le porte comme ça. À la fin, quand ils sortent de prison, ce sont ces mêmes qui écrivent des textes et pour marquer qu'ils avaient été en prison, ils gardaient leurs pantalons et ils montaient sur scène. Et quand tu le voyais habillé, tu savais qu'il venait de prison. Du coup, les gens ont commencé à fashion, à fabriquer des gros pantalons et tout le monde a commencé à porter des gros pantalons. Alors, quand tu portes un gros pantalon qui tombe,
toi-même, tu es en train de prophétiser que tu es un ex-prisonnier. Ouais. Tu comprends? Parce que ce sont les prisonniers qui portent ça, alors que Christ t'a libéré. Donc, il faut faire attention, même à la manière dont tu t'habilles. Moi, plus jamais je porterai un gros pantalon parce que je ne suis jamais allé en prison. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Donc, je porte maintenant des tenues qui me vont correctement parce que, voilà, je ne suis pas un prisonnier. Donc, les jeunes, faites très attention de commencer. Beaucoup de gens portent des trucs plaqués. Mais souvent, les trucs plaqués, ce sont les homosexuels qui, en France, pour se distinguer, les portent. Alors, quand vous venez avec une mode où tout le monde est plaqué et féminé, tu deviens une femme. La Bible dit qu'aucun efféminé n'ira au ciel. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose de la mode auquel il faut faire très attention et ne pas se jeter paf, dedans pour ressembler. Donc, je demande aux jeunes de faire très attention. C'est mon mot de la fin. Faites attention avant de vous plonger dans la mode. Ayez le regard de Christ et, comme l'a dit Romains 12:2, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous bénisse. Bien noté, quelqu'un a dit « nota bene ». Justement, c'est ce dernier mot de notre bishop Claver Yamyogo qui va donc ici donc mettre fin à rectificatif, histoire que nous débouchons tout de suite avec notre deuxième rubrique, vous le savez déjà, expression biblique, on reçoit maintenant Bénédicte Akon. Quant à vous, on vous dira justement bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci. Et bon retour également au Burkina Faso. Merci. Nous saluons déjà tous les Burkinabés et on vous dit encore, suivez la chaîne d'Abéni. Merci, merci à vous, Bishop. Merci à vous. Voilà, comme le disait l'autre, prend l'éloquence et tord lui son cou, simplement pour dire que l'expression d'hier ne sera pas forcément l'expression d'aujourd'hui. Une autre expression, Bénédicte Akon, est là pour ça. Bonjour. Bonjour. Elle va bien. Je vais très bien, et toi? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Oui, ça se sent sur ton visage, tu vas très bien. D'accord, on parle d'une nouvelle expression aujourd'hui. Oui, évidemment, comme d'habitude, bonjour chers téléspectateurs de Béni TV, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Notre expression du jour, eh bien, la voici, être changé en statut de sel. Être changé en statut de sel. D'accord. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit. Mais tu es là justement pour en parler. Oui. Alors, être changé en statut de sel tire son origine, bien sûr, dans le livre de Genèse, au chapitre 19, là où nous connaissons tous l'histoire de Lot et sa famille qui quittaient Sodome et Gomorre. Et lorsque sa femme s'est retournée pour regarder en arrière, elle était changée en statut de sel. Alors, notre expression est utilisée aujourd'hui pour exprimer notre étonnement ou bien notre ébahissement devant une situation. Voilà, qui nous a franchement éberlués. Alors, vous êtes devant une situation, on vient t'annoncer une nouvelle, et là, tu es bouche bée, comme on le dit, tu ouvres la bouche, et là, tu es changé carrément en statut de sel. D'accord, comme hystérisé. Voilà, comme hystérisé, tétanisé complètement. Tétanisé. Voilà. Ghislain, demain, tu pars aux États-Unis. Waouh. Et là, il est changé en statut ouais, de sel. Sérieux, je n'ai pas de mots parce que ça me surprendra. Voilà. Parce que je n'ai pas fait les démarches qu'il faut. Mm-hmm. Mais quand même, demain, je pars avec un passeport diplomatique quelque part. En plus diplomatique. Hein. Ah oui, justement, parce que... Voilà, d'accord. Alors, voici le sens de notre expression. Être changé en statut de sel, qui veut simplement dire que être éveillé devant une situation, ne pas avoir de mots à dire. D'accord. Bénédicte Akon, merci. En tout cas, merci. De ne pas avoir de mots à dire. Et spirituellement aussi, ça veut parler de la mort. Hein. Mm-hmm. C'est aussi la mort spirituelle. Oui, bien sûr. Parce que la femme de Lot, ça voulait dire qu'elle était morte. Oui. Voilà, c'est terminé. Alors, et puis n'ayez pas aussi le regard toujours vers le passé. C'est simplement aussi ce que ça veut dire. Oh oui, parce que allez-y toujours devant vous, ne pas regarder derrière vous. Parce que là, avec Christ, on avance toujours, on ne regarde pas derrière soi. Voilà. On va partir sans plus tarder avec donc la console pub, celle qui va annoncer justement des programmes et des programmes que vous allez avoir bientôt sur Béni TV avant toutefois de recevoir un invité, et bien entendu, dans le cadre de Espace Annonce. Et tout de suite, c'est pour la console pub. Continuons toujours dans la pub et cette fois-ci, de façon physique, nous recevons Luis Gila qui va venir nous parler, bien sûr. Et enfin, de son concert qui aura lieu déjà demain samedi 6 avril prochain. Luis Gila, bonjour. Bonjour, Nyamke. Elle va très bien. Très, très, très bien. Déjà prête à bloquer. Voilà, je suis prête déjà
comment dire, à commencer à sauter, à commencer à adorer mon Dieu, pour dire que le spectacle est fin prêt. Jugez-moi quelques heures. Jugez-moi quelques heures. Nous attendons seulement que les téléspectateurs à venir à ce grand moment de célébration qui aura lieu le samedi 6, c'est-à-dire demain, à Angrais, terminus 81-82, non loin de la gare de Wawaro de la Riviera Palmeraie, à l'église Eva. Ce sera un moment formidable où plusieurs chantres sur un même plateau s'exprimeront et diront au Seigneur, Seigneur, tu as eu raison de remporter la victoire pour nous, car par tes maîtrises, nous sommes guéris. Ce sera un moment de joie avec Boniface, avec Lily Guélou, avec Pasteur Guy, avec Pasteur Apata, Pasteur Jacques, Bénédicte Collet, René-Esther Vaco, Stéphie Joyce. Vous dites que tous les artistes seront là. En tout cas, toute la crème artistique ivoirienne sera là, sera de la partie. Et il ne faudra pas que toi, tu manques ce moment. Parce que ce jour-là, on dira ensemble que Jésus a le dernier mot. Et que ce qu'il a dit sur ta vie, sur ma vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes frères, de tes sœurs, de tes enfants, arrivera certainement. Alors, tu as raison d'attendre la prophétie. Et viens avec moi à Eva, attendre le temps de l'accomplissement. À ce moment-là, c'est sûr que notre Dieu te répondra favorablement. Alors, Luis Gela, il y a quelqu'un depuis là-bas qui disait, mais attends, est-ce que tu peux me donner une réponse? Qu'est-ce que Stéphie Jones vient chercher là-bas? Ah oui, Stéphie Jones, si vous ne savez pas, elle chante. Elle a fait sortir des albums. Elle a même un nouvel album. Et elle est chrétienne, elle fait partie du corps de Christ. Et donc, il faut répondre à cette personne, pas moi. Et elle est en plus animatrice. Mmh. C'est une fille du Seigneur. Et nous l'aimons beaucoup pour ce qu'elle fait pour le milieu chrétien. Mmh. Elle soutient beaucoup les chantres. Et elle a jugé bon de venir nous soutenir à ce concert. D'accord. Et nous sommes très ravis de la compter au nom de toutes ces personnes qui seront là. D'accord. Je pense que maintenant, ça va, hein? Ça va, il n'y a plus de problème. Stéphie Joyce sera là, elle est chrétienne maintenant, et elle a même aussi un album, bien sûr, qu'elle a donné, elle a dédié à Dieu. Donc, elle sera bien sûr de la partie. On rappelle déjà que les tickets sont partis. Les tickets sont déjà partis, il reste quelques-uns. Voilà. Il y a des gens qui ont commencé déjà à appeler pour dire, oh, vraiment, on veut réserver des tickets. Et comme je leur ai déjà signifié, vous appelez juste, vous donnez votre nom, on va mettre votre nom déjà sur une liste, et quand vous arrivez à l'entrée, vous donnez votre nom, vous aurez vos tickets qui seront déjà réservés. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura des tickets disponibles pour vous, pour toutes ces personnes qui vont appeler. Je vous attends, ensemble on dira que Jésus a le dernier mot. Ça ne les peut contacts, pas finir sur la raison de nos ennemis. Pour avoir les contacts, il faut sinon pour joindre l'équipe de ce concert, vous pouvez simplement appelez au 01 17 00 83. Je reprends le 01 17 00 83. Je suis sûre que tu te dis, ah, mais moi, je voulais un autre réseau. Alors, prends ton stylo et puis note le 08 23 08 35. 08 23 08 35. Passe le message à ton voisin et je vous attends. Voilà, Luis Gela vous attend, elle n'est pas seule, Boniface, bien d'autres aussi chantres seront de la partie. Alors, pour vous qui avez déjà pris vos tickets, alors vous pouvez venir déjà à l'église Eva, tu as dit, donc à Angrais, Cocody Angrais. Cocody Angrais, terminus 81-82, non loin de la gare des Roi-Roi de la Riviera Palmeraie, c'est-à-dire la rue à droite. La rue à droite est en face d'un endroit où les gens font les mariages. Mmh. Donc, vous verrez là la gare des taxis, là, la rue à droite. Ils ont déjà les contacts, ils vont appeler. Exactement, vous appelez et puis bon, voilà, c'est pas caché. Et j'espère que vous retournerez avec des témoignages glorieux. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes au terme de Midi d'Afrique, votre magazine d'instruction et d'annonce. C'est déjà vendredi, le week-end, j'allais même dire, début de week-end. On va vous souhaiter simplement de passer un excellent week-end sous le couvert du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas de faire 3fois.beni.tv pour nous avoir, bien sûr, pour vous qui êtes encore au-delà, qui n'avez pas le temps, mais qui avez bien sûr le laptop. Vous pouvez justement nous voir sur Live Stream et toutes les informations concernant donc Beni TV. Glory House, la maison bien sûr mère de Beni TV, vous dit encore de passer une excellente après-midi. Et puis nous, n'oubliez pas, on vous aime et Dieu aussi. Bye. Come on everybody, let's give God this worship. If you know he's awesome, come on, stand on your feet, everybody. If you know he's awesome, you're in awe of his grace. You're in awe of his goodness.
You're in all of his mercy. You're in all of his provision. He's great and he's greatly to be praised. Hallelujah. Come on, everybody, lift your hands as we lift our voices. Come on, say, my God is awesome. My God is awesome. Come on, say, he can move mountains. He can move mountains. Keep me in the valley. Keep me in the valley. Come on, say it, hide me from the rain. Hide me from the rain. That's it. My God is awesome. My God is awesome. Come on, heals me when I'm broken. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever he'll reign. Come on, you got it. My God is awesome. My God is awesome. Come on, say, he can move mountains. He can move mountains. Keep me in the valley. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Hide me from the rain. Has he ever covered you? Come on, my God is awesome. My God is awesome. Heals me when I'm broken. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever he'll reign. One word, come on everybody. My God is awesome. Come on, somebody lift your voice. Awesome. If you know he's been good, say it. Awesome. 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 Say my God. My God is awesome. Come on, if you know he's been good to you, testify. Awesome. Somebody ought to lift your voice. Come on, my God. Verse 2, Savior of the whole world. Giver of salvation. By his stripes, I'm healed. Yeah, my God is awesome. Listen, today I am forgiven. His grace is why I'm living. Somebody ought to praise his holy name. Come on, you say, my God is awesome. Come on, awesome. 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 My God is awesome. Come on, look back over your life. Awesome. And see where the Lord has brought you from. Awesome.